Donc c'est Axel, on se retrouve pour un vlog sur Rogue One Star Wars Story. Voilà, le titre résume tout. En compagnie de Seb. Non, c'est pas le Seb de JDG. Hein, donc, non, c'est le nouveau. Ouais, voilà, le nouveau. Bah, évidemment, on va rentrer en détail dans le film. Donc y a beaucoup de spoilers. Alors barrez-vous. Voilà, si vous voulez pas de spoilers, barrez-vous. Ceux qui veulent du spoiler, venez, venez, venez. Même si vous n'avez pas vu le film, venez, venez. Et sinon, ils veulent pas. Vous dégagez, vous dégagez. On va calmer la situation. C'est quoi ton ressenti, toi? Alors, un spin-off, évidemment, entre le 3 et le 4. Bien évidemment, comme dans les attentes, c'est moyen. C'est un Star Wars qu'on pourrait revoir comme ça dans une fin de soirée pour se dire, ouais, c'est un Star Wars. Vraiment être désespéré, hein, parce que... Ouais. Ouais. Et, bien évidemment, comme je l'avais dit à mon cher ami Axel, il n'y a pas de début, pas de début, pas de fondu enchaîné. J'avais annoncé à la fin de... Pas de fondu enchaîné pour ce Star Wars là, mais un prologue pour bien enfin, évidemment... Pas de résumé qui défile surtout. Ah non. C'est ce que je craignais, je l'avais dit à la fin de la vidéo de Vaiana, et c'est ce que j'ai craint. En fait, le seul truc qui nous indique qu'on est bel et bien dans un film Star Wars, c'est que... C'est Vador. Oui, c'est Vador et éventuellement les vaisseaux impériaux, mais après, c'est un film dans l'espace, un film catastrophe, tout ce qu'il y a de plus classique. Catastrophe, bah... C'est Disney, mais c'est bon, ils ont fait des super films. Je veux dire, ils ont fait un truc sur les super-héros, là, ça s'appelait Sky High. Bon, bah voilà, mais il était parfait le film, même si les effets spéciaux étaient douteux. Mais bon, soit ça parle tout le temps, soit ça se tape tout le temps dessus. Et puis il y a des scènes qui sont what the fuck dans les scènes de bataille. Je veux dire, le petit vaisseau qui arrive à un moment à pousser un énorme Oui, l'espèce de. Alors, à un moment, nous voyons une scène où il y a un espèce de petit croiseur bélier, un petit croiseur bélier qui pousse un autre destroyer. Vous savez, les grands vaisseaux triangulaires de l'Empire. Ouais, voilà, qui pousse un autre vaisseau de l'Empire pour pousser un autre vaisseau pour détruire le bouclier qui couvre la planète, justement. Donc voilà. Avant de se perdre dans les détails, on ferait mieux de donner un synopsis du film. Mais ouais. Si t'es d'accord, avant ça, on devrait parler un peu de la haine injustifiée qu'il y a eu autour de Star Wars 7. Parce que Star Wars 7, contrairement à Rogue One, il est vachement réussi. Il est vachement mieux. Et il y a beaucoup de fans qui crachent dessus. Et ça, je comprends pas pourquoi, parce que c'est super bien revisité. Ouais. Bon, ça reprend les événements du 4, bon t'es d'accord, hein, c'est un remake du 4. Ouais, comme tout le monde le dit, évidemment c'est un remake du 4, on retrouve le même pitch de départ. Ouais, exactement, ouais. Et puis, c'est ce que je reprochais aussi les gens qui crachaient tout le temps sur le personnage de Kylo Ren, alors que moi je le trouve très bien Kylo Ren, hein, sinon j'aurais pas la figurine pop et la figurine normale. Et Et les gens qui disent que Star Wars épisode 7, justement, le réveil de la force, c'est un remake du 4, et les gens se plaignent que Kylo Ren, il est pas à l'échelle de Vador, mais il y a personne qui peut arriver à la cheville de Vador. Personne ne peut détrôner Vador. Parce que Vador, quand tu penses méchant, tu penses Vador. Voilà, donc personne ne peut l'égaler, je veux dire. Je pense Scar aussi, mais il y a Vador à côté. Oui, même Scar, c'est un enfoiré, mais bon, quand tu penses méchant, c'est Vador. Et si Kylo Ren, il était aussi méchant que Vador, qu'il avait autant de carrure, bah alors Star Wars épisode 7, bah ce serait plus vraiment qu'un copier-coller du 4, et les gens ne voient pas ce bon côté. Il y a une petite dose d'imperfection de part de Kylo Ren, et c'est ça qui fait qu'il est imparfait. C'est encore un, ouais, c'est comme on disait, c'est un adolescent grossièrement. Il est con. Et c'est et il est con. Mais c'est encore un apprenti aussi. Voilà, il a pas encore fini sa formation, c'est pour ça. Et d'ailleurs ils le disent. Ouais. Et c'est justement qui fait que Star Wars 7 n'est pas qu'un remake du 4, parce que le film se concentre là où il se doit concentrer, sur les nouveaux personnages. Il se contente pas de faire du fan service. Et d'ailleurs, du fan service, on a mille fois plus dans la prélogie, et dans The Rogue One, ça n'arrête pas. Ouais. Par contre, justement, oui, Rogue One, c'est plus, ouais, presque un peu plus conseillé pour les fans, pour ceux qui connaissent l'histoire et les cultures justement de Star Wars. Et parce moi, que si on entre comme ça dans un Star Wars en ayant vu même ou presque aucun Star Wars, juste le 7 et le Rogue One, on se perd facilement. Voilà.
Mais je doute qu'un fan va vraiment aimer, parce que justement toute cette zone de fast service, les gens vont croire juste que ce film c'est juste un prétexte commercial et ils vont de plus en plus cracher sur le film parce qu'il y avait une promo énorme pour Star Wars 7 et c'est à partir de là que les gens ont craché avant même de voir le film. Je sais pas si t'as vu ça sur Voxmaker, ils trouvaient des faux raccords dans les bandes annonces. Déjà, dans les bandes annonces. Donc il y a tellement une... La haine peut tellement vite s'installer sur un film que faire autant de fanservice que ça, ça ne peut faire que amplifier le niveau de haine. Ouais. Donc le synopsis de The Rogue One, c'est quoi? Grossièrement, on introduit l'histoire avec justement le prologue qui situe l'héroïne, je me rappelle même plus comment elle s'appelle. Tellement elle est nulle. Non, c'est le film en soi, le film en soi n'est pas nul. Mais il faut vraiment s'y intéresser à, l'univers Star Wars pour accrocher du début jusqu'à la fin du film. Bref, prologue qui situe l'héroïne dans son enfance. Ensuite vient le moment où de base c'est une prisonnière, puis ensuite elle se fait recruter par les rebelles pour... On sait même pas pourquoi elle est prisonnière. Ouais, on sait pas, Ah si, ils l'ont dit, des trucs de prisonniers. Ouais, et ça reste flou, hein. Je signalerais que le background de tous les personnages, y compris le pilote qui est le meilleur personnage de tout le film, ils ont tous un background flou. Et pour un dénouement qu'on vous révélera plus tard, parce que c'est juste catastrophique. Donc ensuite, oui, se faisant rallier par la base rebelle, décide ensuite de chercher les plans pour, non pas l'étoile noire, mais l'étoile de la mort. Pour savoir comment la détruire. Et c'est justement le père de la même héroïne qui va nous donner le plan. Oui, sauf qu'on sait tous comment ça va finir cette histoire vu qu'on a vu le 4. Voilà. Donc déjà, rien à la promesse, elle tombe à l'eau. Donc, alors la première partie, je dirais qu'elle était prometteuse, même si, comme je l'ai dit, le background est flou. Oui. Mais ils essayaient de situer les personnages un peu, on découvrait un peu tous les personnages, voilà, grossièrement c'est ça. Et à partir de la deuxième partie, j'avais l'impression, franchement, j'avais envie de me barrer, il y avait des gens qui se barraient dans la salle. Entre l'autre qui dormait derrière nous, qui ronflait, et l'autre là, notre gauche, qui commence à mourir. Il y avait un mec qui toussait, il avait envie de crever quoi. Il y en avait un, il dormait derrière nous, c'était un truc de fou. J'avais l'impression d'être dans une sorte de parodie fantasmée de Star Wars. Je veux dire, il y a un robot, on dirait une parodie dégoûtante de C-3PO. Et en plus, il ressemble à un robot du Château dans le ciel de Miyazaki. Enfin, il est insupportable ce personnage. La petite référence, oui. Non, mais excuse-moi, les petits yeux qu'il a, c'est exactement lui. Robot qui a d'ailleurs été reprogrammé par les rebelles, parce que d'abord, il appartenait à l'Empire, d'abord. Ouais, voilà. On voit d'autres robots comme lui. Voilà, justement, c'est comme ça qu'on arrive. On n'arrive même pas à les différencier, du coup. Donc, du coup. Et donc, ensuite, parmi les autres personnages, donc on a l'héroïne, comme on l'a dit, qui est pire que Nana. Le pilote, qui est le seul personnage qui a vraiment du potentiel. Après, il y a qui d'autre? Il y a le chef avec qui elle va finir, évidemment, c'est le capitaine. Oui, capitaine, je sais plus quoi. Alors, oui, voilà. On vous l'a dit, les personnages sont tellement mal travaillés qu'on ne retient même pas leur nom. Et puis alors, il y a ce cliché raciste japonais qui est poussé jusqu'au bout. Alors, il y a un pauvre petit japonais qui a dû être embauché dans le coin de la rue pour représenter, en fait, le seul espoir Jedi qu'il y a dedans. Bah ouais, parce que oui, il y en a un. Ouais, puis il le répète tout le temps. Dans 13 minutes du film, la force est avec moi, la force est avec moi. 40 minutes plus tard, il le répète en boucle. Pour finir exploser parce que dès qu'il dit ça, il y a des milliers de balles laser qui passent devant lui. Pour y courir, pour chanter I Sing in the Rain à côté des balles, tout, rien de ça. Il a rien du tout. Il suffit qu'il le fasse pas, qu'il baisse son arme, bam, il se fait exploser. Ouais, c'est ça. Donc toute cette deuxième partie est vraiment nulle. Le milieu, on commence un peu à s'endormir. Ouais, c'est le milieu un peu où. Moi j'ai trouvé ça nul, après tu fais comme tu veux. Non, mais même moi, enfin. Quand on arrive au milieu du film, on n'arrive plus trop à situer parce que il y a le côté un peu stratégie du coup des rebelles qui nous explique bien comment il faut faire, patati patata. Sauf que nous, en fait, l'attente du public, ce serait plus de l'action. Enfin, un public lambda attendrait plus à de l'action. Ouais, et franchement, début, oui, justement. Début, situation des personnages. Milieu, on s'ennuie un peu, mais bon, voilà, c'est toujours mieux de... Voilà, on parle, milieu, on parle.
Et alors la fin, mais alors la fin, la fin, elle déchire sa race. C'est donc bon que au bout d'un moment, alors que j'en avais marre, que je croyais que c'est que j'étais dans une parodie, là on arrive enfin à l'arrivée de Vador avec la promo qu'il y avait eu, que le retour de Dark Vador. Et ça sauve le film, franchement ça sauve le film, parce que Vador évidemment c'est celui qui porte la saga Star Wars sur les épaules avec Han Solo. Et les thèmes musicaux, son nombre qui apparaît en grand, enfin tout autour de Vador sauve le film. À partir d'une scène finale où on se retrouve sur badass, complètement, comme c'est pas possible. Complètement. À partir du moment où la base, enfin la flotte rebelle arrive sur la plage, on commence à avoir une surdose d'action, mais des plans bien travaillés, comme on aimerait voir une bataille rebelle en fait contre l'Empire. Voilà. Ouais, non mais tout clairement, c'est juste impressionnant quoi. Mais c'est ça que je reprochais un peu à Star Wars et épisode 7, si on peut y revenir, parce que là où il disait encore que c'était qu'un remake, évidemment, blablabla, qui disait que la bataille de Starkiller était pas aussi prenante que celle de l'étoile, enfin dans le premier quoi, tu vois, ouais. Quand ils battent la première étoile. Et oui, bah c'est normal, parce que en fait le combat final se jouait plutôt entre Rey et Finn et Kylo Ren, donc ils étaient que trois, ils s'accomplissaient à côté de la bataille, donc forcément c'était moins prenant. Oui. Là, il y a vraiment un sentiment de guerre. Oui. C'est, entre la bataille, justement, entre la bataille des rebelles et entre justement la Rogue One justement. Alors la Rogue One, parlons-en justement. La Rogue One, exactement, c'est la première escadron, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première escadron de justement des rebelles, c'est pour ça qu'on appelle la Rogue One. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle le titre comme ça. Hein. Voilà. Ah non, ce n'est pas Star Wars Rogue One, non, c'est Rogue One Star Wars. Oui, Rogue One, a Star Wars a Story. Je déteste comment ils font ça. C'est Star Wars. Tu sais, c'est le côté commercial que je disais. The Rogue One, a Star Wars Story, pour bien souligner que c'est Star Wars. Rogue One, Star Wars Story. Et donc, ouais. Et à partir du moment où Vador passe à l'action, alors là ça pète tout. Énorme. C'est énorme. On n'a jamais vu un Vador aussi déchaîné. J'ai ça. Jamais vu un Vador aussi violent, parce que même, je veux dire, tu vois, il y a le moment où il tue Obi-Wan, il y a le moment où c'est pas Vador, mais dans le set avec Kylo Ren qui tue son père, ça c'est prenant, mais là il décime tout le monde. Et tout le monde. Ouais. Il arrête des balles avec son sabre. J'ai jamais vu un Vador aussi déchaîné. Ouais, mais c'est même que c'est limite du violent. Parce que dans tous les autres Star Wars, on n'a pas eu autant. Non, enfin je veux dire, on savait qu'il avait de la puissance, mais alors, comme à ça, ce point-là... Là, comme ça, on mesure vraiment toute l'étendue de Vador, quoi. Là, parce que j'avais peur que, vu qu'on sait comment il finit à la fin du sixième épisode, qu'il se sacrifie pour sauver son fils, que même on voit son visage, et ben en fait, ce qui est bien dans ce Rogue One, c'est qu'ils ont fait comme si les autres épisodes n'étaient pas sortis. C'est-à-dire que quand on le voit, c'est dans le bain qui le permet de maintenir en vie. Oui. Son visage est flou, on ne voit pas son visage. Il est un peu flouté, en fait, c'est le vin. Ils ont essayé de reprendre justement le même visage qu'on voit justement à la fin du 6, justement. Enfin, un peu plus, encore un peu beige, un peu, pas complètement bleuté. Anakin a encore gardé un peu de ses couleurs, tu vois. Tu veux quoi, toi? Franchement, oui, non, mais on le voit, genre manier son sable, dévier. Ah oui, aussi, oui. Référence aussi au 7, enfin c'est pas forcément une référence, mais voilà. Vador à un moment arrête un tir avec la force. Ouais, comme l'a fait Kylo Ren au début du 7. Je suis pas sûr que ce soit une référence. Peut-être pas la référence, mais c'est pour dire, regarde, moi aussi je sais faire, tu vois. Ouais, du coup, on peut en penser quoi de ce film? Alors, grossièrement, je suis assez mitigé parce que. Il y a le début qui situe, il y a la moitié, il y a le milieu qui commence à m'endormir, et puis il y a la fin qui réveille complètement. Ouais, mais... Je sais pas, ça aurait pu être un bon film si le milieu aurait été un peu plus dans l'action. Ouais, mais moi je supporte vraiment pas tout ce côté marketing et fanservice qu'il y a, je veux dire... Et ils se sont même débrouillés pour nous foutre R2-D2 et C-3PO la petite interlude en plein milieu de l'intrigue, mais on s'en fout. On est censé être une époque où on ne connaît pas encore ces personnages. On n'a pas besoin de fanservice comme ça. Réflexion, en fait, si on doit les connaître, parce que R2-D2 et C-3PO sont apparus genre bien avant justement la prélogie. Enfin, oui, ça d'accord, mais c'est... Enfin, non, la trilogie normale, ils sont apparus à la prélogie, justement. Oui, ça d'accord, mais c'est surtout C-3PO qui est apparu avant, parce que R2-D2... R2-D2... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Rogue One, c'est censé se détacher des aventures qu'on a connues avec Luke, Leia, même si Leia, on la voit à la fin, mais ça compte pas. Oui.
et Han Solo. Et justement, les R2-D2 et C-3PO, c'est censé être les sidekicks rigolos qu'on voit souvent dans la plupart des dessins animés ou des films pour enfants, qui vont les accompagner. Mmh. Et les foutre comme ça, ça prouve vraiment que ces personnages... En plus, avec la petite phrase du C-3PO, pourquoi on ne prévient jamais? Il la répète souvent en plus dans les Star Wars. Il la répète souvent en plus dans les Star Wars. On ne prévient jamais. Ça prouve vraiment que ces personnages, ce sont juste... C'est juste un intérêt commercial et marketing. C'est juste pour dire coucou, je suis là, tu vois. Oui, coucou, c'est Star Wars. Coucou, c'est Star Wars. Ouais, bah franchement, à part le fait que Vador sauve le film, franchement, parce que la scène de fin où ça raccorde vraiment cette histoire de Rogue One avec le quatrième opus, à part ça qui est vraiment juste épique, là j'étais cloué dans mon siège pendant 5 minutes. Ouais, 5-10 minutes à tout casser entre toutes les scènes de bataille qui se passent autant sur la plage que sur justement l'espace et aussi l'intrigue qu'il y a par rapport aux héros qui sont petites actions, les petites aventures que vivent justement les héros. C'était le moment où on était cloué dans notre siège parce que ça sauve vraiment le film, parce qu'on disait que les personnages sont mal écrits, qu'ils ont un background flou. Et ben tout ça, c'est au lieu de les développer pour que ça tisse une éventuelle suite, et ben les héros ils crèvent tous. Littéralement. Ils crèvent tous les uns après les autres. Le Nouache se fait défoncer. Ouais. Il y en a un, il a 3 côtes cassées, 42. Enfin, je sais pas. Enfin, il se bat, il a 3 côtes cassées, un bras, je sais pas quoi. Et il revient quand même. Et il revient à la vie. Oui. On l'a vu, on était tous les deux étonnés. Il est là, lui. Non, mais j'ai pensé même à une petite. Un petit flashback de Kylo Ren qui tuait justement son père. Oui. Et justement. Il est pas tombé dans le fond, tu vois, donc j'avais cette possibilité aussi de dire peut-être pas mort, quoi, tu vois. Ouais. dans un Star Wars, si personne ne tombe jusqu'au fond, c'est qu'il est vivant. Palpatine, il est mort alors. Ah, c'est bon. ça revient à cette scène complètement what the fuck de Kylo Ren qui vient de se faire shooter par le blaster de Chewbacca, oui. qui voit Rey et Finn qui, enfin, il veut les rattraper, quoi, mais il marche à 3 à l'heure. Ils font je sais pas combien de mètres en dehors du vaisseau dans la neige. Il arrive et Kylo Ren arrive en plein milieu de la forêt. Il les attend avec un sabre laser. Comment il est déjà là, lui? Mais il y a exactement la même chose dans The Rogue One. C'est ça. Et lui il revient juste évidemment pour sauver sa copine. Et puis après il meurt. Voilà, ils sont désintégrés. On a essayé de nous faire gober pendant tout le film. Enfin, gober. On a essayé justement de nous faire attacher justement par rapport à ces personnages pendant tout le film. On a essayé. Pendant tout le film, on a une espèce d'un petit intérêt pour ces personnages. Genre, ouais, ça se trouve, putain, celui-là, il va peut-être devenir quoi plus tard et tout. Et en fait, oui, tout ça a foiré, ça a foiré. Ils meurent tous à la fin. Ces personnages, on les oublie, hein, je veux dire. C'est dommage. Autant les personnages, enfin, je sais pas, d'un autre film, d'un autre blockbuster encore qui fait très remake, Jurassic World, j'avais eu du mal à m'accrocher au perso, mais je me... La fille qui court avec des Oscars, pas pour le T-Rex. quand je sortais de la séance, je me rappelais pas trop des personnages, mais quand je l'ai revu après, je me rappelais des noms, je l'avais mieux synchronisé. Autant ces personnages, mais je me rappelle même plus leur tête. C'est un truc de fou. Ouais. À part la meuf, bon, vous allez vous en rappeler, parce qu'avec sa gueule de lémurien, c'est celle dans Percy Jackson, hein, donc vous la reconnaissez. Sa gueule de lémurien. T'as, avec ses yeux, elle fait peur sur la fille. Je suis la force. Bon, je crois que la force qui porte la poisse, bon bah ça y est dans ce film. Un peu la poisse, ouais. Et à un moment. Dès que la force est avec eux, ils se font décimer. Non, quand elle n'est pas avec eux, justement. Oui. Non, mais dès qu'ils disent la force est avec moi, ils se font fêcher, quoi. Mais c'est. Ouais. Bon, du coup, ce film, on va vite l'oublier, hein. Je pense qu'on va vite l'oublier. C'est dommage. Voilà, parce que. Je veux dire, on parle d'une production Disney, bon l'un c'est un film d'animation et l'autre c'est un film live, mais c'est pas là, mais bon, le bon moment que j'avais passé devant une production Disney avec Vaiana, mais putain ça a été balayé avec cette merde. Donc comme je l'ai dit, à part les 5 dernières minutes, franchement si vous voulez voir le film, allez juste le voir pour Vador parce que c'est lui qui sauve tout. Voilà. Alors un petit conseil, au début vous restez éveillé, au milieu quand vous voyez que ça vous fait chier, endormez-vous, ne vous en faites pas, vous ne loupez rien. Évitez de sombrer dans la haine comme j'ai failli faire parce que c'est vraiment une parodie. Une aura maléfique se dégageait autour de mon ami qui était à côté. Voilà. Entre le ronflement qui était derrière moi et le mec qui mourait à gauche et lui qui s'empressait de tenir le siège comme ça. Mon coca qui devenait trop chaud. Si vous allez voir le film, allez le voir juste pour Vador. Voilà. Donc je pense qu'on en a fini avec ce truc. Ouais. Vador, comme ça. Ouais, voilà. Les autres.
Vous arriverez jamais à la cheville des autres Star Wars. J'ai hâte de voir Star Wars 8 parce que on va bien rigoler. Non, mais je pense qu'on va bien rigoler parce qu'il y a beaucoup de potentiel avec les nouveaux persos. C'est parce que il y a Finn qui est gravement blessé, il y a Rey qui est bon. Tout le monde dit que évidemment ce sera la fille de Luke, mais bon ça. Mais commencez pas avec votre petite histoire genre ouais c'est la fille de Luke. Ah, c'est trop tard, c'est trop tard. Tu vas sur DeviantArt, tous les fanarts qu'il y a. Oh mon dieu. C'est bon. Pas DeviantArt. Je te les envoie sur Facebook, tu vas galérer. Au secours. Et il y a Kylo Ren qui maintenant s'est bien fait shooter parce que il s'est fait prendre, il a pris un tir de blaster de Chewbacca. Ouais. Et qui va peut-être terminer sa formation justement. Ouais. Il s'est fait sécher par Rey avec le sabre laser. Voilà, il a une balafre et tout. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, le mec qui se fait défoncer parce que Rey elle a jamais tenu un sabre laser de sa vie, je précise que Kylo Ren il s'est pris un truc de justement, Chewbacca. Justement, il s'est pris un tir. Il est mentalement déstabilisé parce qu'il vient de buter son père. Ouais, déjà. Donc, et puis, comme je l'ai dit, il est pas à la cheville de Vador. Donc, c'est un peu normal qu'il se fasse défoncer. Non, et en plus, Finn a tenu tête quand même, faut dire, Finn a tenu tête justement à Kylo Ren. Oui, il a déjà filé 3 coups, hein, Finn, hein, au moins. Donc, voilà. On attend impatiemment la suite parce on attend, que. On attend. Voilà, avec Top Gear. Plus l'épisode arrive, plus je suis fan, moi, donc. Je suis un fan hardcore, mais bon. Peut-être pas hardcore, mais j'aime Star Wars. J'aime fan, quoi. Je suis fan, mais pas au point d'accrocher des posters. Enfin, si, j'ai un poster dans ma chambre, mais. voilà. Mais. Enfin, pas. J'ai des figurines, alors c'est la même chose. Hein. Bon, alors lui, il a tout cassé avec ses figurines. Non, mais. On peut aimer les Star Wars, mais on peut pas aimer ce Star Wars là comme ça. Ouais, voilà. Je peux pas adhérer à un Star Wars comme ça parce que ça fait. Non, c'est pas un Star Wars pour moi, pas un Star Wars qu'on devrait accrocher. Si beaucoup, et puis comme je disais, si déjà beaucoup de monde ont craché sur Star Wars épisode 7, qui est très bien malgré le fait qu'il recycle énormément le 4, enfin... Oui, justement, tu parlais tout à l'heure justement des reprises par rapport au... Ouais, voilà, mais si tout le monde a craché sur le truc simplement parce qu'il reprend des événements du 4 qui lui est le premier Star Wars... Mais alors, si vous allez voir un film qui pendant une grande partie est presque une fanfiction fantasmée, je sais pas, enfin pire qu'une parodie, quoi. Mais tous les bons moments que vous avez passés avec Star Wars, ça va disparaître. C'est dommage, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'un film, je dis pas que le film est loupé entièrement, mais ils auraient pu faire mieux. Et voilà, ils auraient pu faire mieux. Bon bah voilà, c'était notre avis sur ce Rogue One, Star Wars, sorry, salut Star Wars. bon bah la vidéo était improvisée, bah voilà, c'était un vlog, j'avais pas envie de mettre vlog là au coin de la vidéo parce que sinon ça fait du randal. Donc bon bah on vous dit salut, à la prochaine, encore bonne fête à tous. Et, joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël. Lui c'est Seb, donc il sera souvent là dans les vidéos. À partir de maintenant, que vous le voyez ou non. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, ben on vous dit salut et à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut.